viens à mon aide. Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui aimes toute raison, toi qui envies. Psaume 118, strophe 16. Ô notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Mon
actions fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je serai ton témoignage. Si j'aime tes ordres plus que l'or et que l'or fin. Oh, si je règle sur tes préceptes et je vais ton chemin qui monte. Ô mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit. Psaume 123. Fils vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Fils vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Le temps passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Mais comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Psaume 124. Et s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours, jamais un certain lié ne tombera. Sur la part des justes, de peur que
pardonne tant de crimes. La main de juste. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont ton cœur la droiture. Mais les tortures, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Quand s'abrite en mon refuge, qu'en fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, la diadème splendide pour le reste de son peuple. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne branchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. D'Olivier Clément, l'Ascension. L'Ascension est brièvement mentionnée dans le supplément de Marc et à la fin de l'évangile de Luc, où le Christ disparaissant nous enveloppe de sa bénédiction. Elle est décrite en détail par le même Luc au début du livre des Actes. Au Mont des Oliviers, dans la promesse de l'Esprit-Saint, en présence de deux anges qui attestent que le ciel désormais s'ouvre à la terre et que Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller. Au premier siècle, on ne séparait guère l'Ascension de Pâques et de la Pentecôte. Leur distinction est venue du récit de Luc qui introduit des nombres symboliques. 40 jours de la résurrection à l'Ascension, 10 de celle-ci à la Pentecôte. En réalité, le mouvement est unique. Remplissant tout de sa présence, Jésus va du fond des enfers aux profondeurs du ciel. Et moi, une fois élevé de terre, ce qui vise la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Simultanément, il avait pu, dans le discours des adieux, annoncer « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Car cette absence que réalise l'Ascension
est la condition même de l'envoi de l'Esprit qui fera de nous, sacramentellement, un seul corps avec le crucifié glorifié. En effet, dit saint Paul, le Christ, c'est l'Esprit, l'Adam ultime est Esprit vivifiant. Il est le réceptacle débordant de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui le manifeste. Tous de même cœur demeurez dans la prière, dans l'attente de l'Esprit que Jésus avait promis. Contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce que je vais y trouver. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul se hâtant de revenir à Jérusalem, après avoir traversé la Grèce, avait fait escale à Milet. De là, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j'étais avec vous. » Depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et au milieu des épreuves provoquées par les complots des Juifs. Vous savez
que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit en public ou dans vos maisons. J'adjurais les Juifs et les païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. J'en témoigne donc aujourd'hui devant vous. On ne peut pas me reprocher de vous avoir mené à votre perte, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Par nos chants, nous acclamons le vainqueur de la mort. Alléluia. Ananie avait entendu le Seigneur lui dire à propos de Saul : « Va, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom aux nations païennes, aux rois et aux juifs. Moi-même, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Paul lui-même en témoigne dans ce discours devant les anciens de l'église d'Éphèse. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves. Dans la forme narrative d'un testament, il fait une sorte de relecture de sa vocation et de sa mission. Faire mémoire du passé, afin de relire la réalité présente, en vue d'assurer pour l'avenir une entière fidélité au dessein de Dieu. Il fait mémoire du passé, vécu ensemble. Vous savez non seulement comment je me suis comportée, ce que j'ai fait, mais vous savez que j'étais avec vous comme celui qui sert. J'ai servi le Seigneur au milieu des épreuves. Ce sont quasiment les mêmes mots que Luc utilise dans son évangile pour nous relater les récits après le repas pascal. Paul nous apprend ici un des sens du mémorial, le sens de la communauté, le poids de l'autre, avec qui je fais partie d'une communauté de croyants, se souvenant ensemble et les uns pour les autres des bienfaits du Seigneur. Paul commence son discours par cette notion de la communauté. Vous savez, vous vous souvenez. Le centre et le sommet de son mémorial demeure celui vers qui toutes choses convergent, le Seigneur Jésus-Christ. Paul fait mémoire du passé, mais il n'est pourtant pas un nostalgique qui s'arrête au passé. Il a l'audace et la liberté intérieure de relire également le présent, souvent mouvementé, et il le fait encore ensemble avec les anciens, face à la communauté, sans rien vouloir dissimuler. Maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Quel beau témoignage pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous qui aimons tant tout savoir et prévoir. Le grand apôtre Paul ne sait pas ce qu'il attend. Non, nous ne sommes pas obligés de tout savoir d'avance. Car quelle marge de manœuvre laissons-nous au Saint-Esprit si nous voulons être nos propres maîtres, toujours prévenus d'avance? Le vent souffle où il veut et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, dit Jésus à Nicodème.
Paul va encore plus loin. Tel le chemin des disciples d'Emmaüs qui débouche sur le retour à Jérusalem et sur leur témoignage auprès de la communauté, celui de Paul aussi s'ouvre devant lui à plus grand que lui. Au témoignage martyr, à l'Esprit Saint, à l'Église épouse, au don et à l'abandon de toute sa vie. Pour moi, la vie ne compte pas. Aux Galates, il avait écrit : Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, notre vie de chrétien est appelée à déboucher sur ce chemin de témoignage de toute une communauté qui rend visibles les merveilles de Dieu et les annonce au monde, sinon elle restera vide et dépourvue de sens. Va, tu es un instrument, toi aussi, choisi par Dieu lui-même dans le sacrement du baptême pour porter son nom au monde qui l'attend. Son nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous enseignes le repentir et la foi en ton nom. Nous te prions pour les organismes internationaux qui travaillent à rétablir la paix dans le monde. Nous te prions, Seigneur, tu nous invites à vivre dans la vérité. Nous te prions pour les victimes d'actes de terrorisme et pour leurs familles. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, tu nous encourages à nous montrer responsables envers nos frères en humanité.
Nous te prions pour les entreprises et les collectivités qui œuvrent à l'aménagement de nos villes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Luanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Caeli.